Alors, désolée pour mes cheveux et ma tenue, mais je viens de prendre mon bain, donc voilà. Alors, par contre, je vais pas faire de bilan lecture parce que je lis pas beaucoup. J'en ferai un fin août parce que ben j'ai mon travail et pour l'instant j'ai plein d'heures, donc quand je rentre, ben je suis super fatiguée, je lis peut-être un chapitre. Donc voilà. Sinon, j'ai fini Cinder. Là, je suis en train de lire Scarlett et en même temps, je lis Insaisissable tome 1 en poche. Je vous fais une petite vidéo parce que je viens de finir. Je viens de recevoir une commande de Gilbert Joseph. Vous savez, on peut commander pour 30 euros et de là, on a à 1 centime la commande au lieu de 4,50 et tout ça, de ce qu'on prend. Donc, je vais vous faire voir. Donc j'ai pris Miss Peregrine et les enfants particuliers tome 1. Et il est juste magnifique. Il est pas abîmé. Il a pas un coup. La tranche, elle est parfaite. Et j'ai l'impression que la personne, bah, elle l'a jamais lu, quoi. Donc je suis juste trop pressée de le lire. Parce que j'en ai entendu plein sur sur YouTube et tout ça, qui adorait et que par contre il disait que ça faisait pas peur finalement à ce que certaines personnes disaient. Il disait qu'ils n'avaient pas si peur que ça, mais que l'histoire était assez sympa. Donc je suis pressée de le lire. Et j'adore parce que à chaque chapitre, j'ai l'impression que c'est. Il y a plein de photos déjà. Et chaque chapitre, ça fait une page comme ça. Et je trouve ça super beau parce que des fois on a des chapitres normaux, ça. Puis voilà, il est juste top. Il n'a aucun coup, il n'a rien du tout. C'est magique. Je vais commencer par pas l'abîmer. J'ai encore tous mes trucs de la braderie. J'ai rien rangé. Sinon, j'ai aussi ceci, Scandale. Et pareil, il n'a aucun coup. Il vient. Ah oui, Miss Peregrine, il était à 15,90 et je l'ai eu à 11 euros, un truc comme ça. J'ai eu aussi, bon, Scandale, hashtag Scandale. J'en ai beaucoup entendu aussi sur sur YouTube. Et il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois. Et pareil, il est juste sans coup, sans rien, tout ça, trop contente. Lui, il était à 16,90 et je l'ai eu à 12,90, il me semble. Et attendez, j'enlève à chaque fois les trucs parce que ça m'embête. Voilà, il est à 16,90 et je l'ai eu à 12,90. Donc pareil, je suis très pressée de le lire. C'est écrit super gros. Donc ça va aller vite, je crois. Par contre, c'est marqué une comédie mordante. Moi, je croyais que ça allait être une histoire. Une histoire sur justement le scandale et tout ça, sur les lycées et tout. Et en fait, à ce que je comprends, bah, ça va être marrant. On verra bien. Et par contre, je suis déçue parce que je voulais Harry Potter parce que je les ai pas encore lus. Et j'en ai pris un. Et le problème, c'est que le livre, il est dans un état. Ben, pour moi, c'est pas possible parce que j'adore que mes livres ils soient bien quoi. Donc, en fait, celui-là, je vais le donner à ma nièce parce que elle s'en fout un peu tant qu'elle a des livres. Voilà quoi. Elle s'en fout un peu s'ils sont beaux ou quoi tant qu'elle peut les lire. Et en fait, j'étais super contente de recevoir ma commande juste pour ça au départ. Et en fait, le dos, il est juste tout abîmé. Regardez, hop. En fait, je crois que la personne, elle l'a pris, elle l'a tordu ou alors elle l'a, vous savez, comme ça, là. Donc, voilà. Ça fait pas trop. Et en plus, il était que à 2 euros de moins. Donc, ça me fait un peu chier. Mais bon. Donc, voilà. Il y a ça qui est comme ça, on va dire. Il l'a tenu comme ça, le mec, je crois. Hein. Voilà, ça tombe juste super bien dans le truc, quoi. Il a fait ça. Les pages ici, elles sont. Voilà quoi. Et le pire, c'est ça. Harry Potter.
Donc par contre, la couverture a l'air magnifique, avec le château, l'école, les arbres qui arrivent comme ça, et tout. Mais voilà. Je suis vraiment dégoûtée. Comme je vois, il est écrit vraiment petit, hein. Mais bon, je suis vraiment trop pressée de le lire. Après, peut-être que je le lirai juste pour le lire, parce que j'ai vraiment envie de le lire. Et que je me commanderai le 9, le mois prochain. Ou ce mois-ci, je sais pas encore. Parce que je touche demain, donc on verra bien. Et par contre, j'ai l'intention de tous me les faire en neuf, parce que déjà, ils sont pas super chers. Et ensuite, j'ai pas envie d'avoir d'autres trucs comme ça. Je crois que ceux que je prendrai vraiment en occasion, ce sera les gros volumes. Donc voilà, un peu dégoûté pour Harry Potter. Mais je crois le lire quand même, passer après à ma nièce et m'acheter le en neuf après. Donc voilà, je vous fais plein de zoubis et à une prochaine vidéo.